Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct d'Abu Dhabi pour vivre la 21e et dernière manche de cette saison 2017 de Formule 1. Je suis ravi de vous retrouver pour vivre ensemble la lutte pour le championnat du monde qui va opposer Stoffel Vandoorne à Fernando Alonso. On va faire le point sur la situation dans quelques instants, alors que pour l'heure, les premières images nous arrivent d'Abu Dhabi. Un week-end qui s'annonce plutôt chaud avec beaucoup d'humidité, mais pas de pluie. On sait qu'ici, les températures sont assez impressionnantes, même si on roule de nuit. On ne perd pas une seconde de plus et on part directement découvrir cette piste d'Abu Dhabi pour cette première séance d'essai libre. On rappelle aussi qu'au niveau des pneumatiques, on va chausser pour la première fois depuis longtemps en course les pneus ultra tendres, les pneus à bande mauve. On va voir comment les différentes équipes vont planifier leur stratégie. L'enjeu majeur, évidemment, de ce dernier Grand Prix de la saison, c'est l'attribution du titre de champion du monde. Ils sont deux en lice. Les deux pilotes McLaren vont se battre avec 16 points d'écart entre eux, à l'avantage du pilote belge Vandoorne que vous avez à l'image. On va donc voir qui va sortir vainqueur de cette lutte acharnée. On le sait, on va y revenir bien entendu, mais cette saison a été marquée par pas mal de tournants, notamment des abandons, des casse moteurs pour Alonso. On se rappelle en Autriche, alors qu'il était très bien placé, il a perdu beaucoup de points. Vandoorne à son tour dans la deuxième moitié de la saison a été beaucoup plus en difficulté depuis qu'il a obtenu le statut de premier pilote. Ça l'a très déstabilisé et il a eu évidemment des résultats un peu en deçà avec très peu de victoires dans la deuxième moitié de saison. Mais il y a eu un regain d'énergie du pilote belge au Brésil avec ce superbe résultat où il termine aux côtés de son coéquipier sur le podium. Et on va donc retrouver les deux pilotes à la lutte ici avec un net avantage pour Fernando Alonso. Pourquoi ? Parce que le pilote espagnol dispose de composants mécaniques en bien meilleure fraîcheur que son adversaire et coéquipier. Pour ce qui est des séances, elles vont se passer tout d'abord de jour, comme vous le voyez ici avec la séance d'essai libre 1. Pour le Grand Prix, on démarrera en début de soirée et l'arrivée se fera de nuit, ce qui va donc poser différents soucis, notamment au niveau des températures, des freins, des moteurs, etc. On risque d'avoir un Grand Prix assez animé. Ici, la safety car est sortie à chacun des Grands Prix courus, donc on risque de voir pas mal d'action sur ce tracé de Yas Marina. La première séance d'essai libre est désormais terminée et Stoffel Vandoorne a complété ce qui lui restait de recherche à compléter. Voici donc la physionomie avec la première séance d'essai libre. Alonso devant Raikkonen et Vettel. Les Mercedes sont en retrait, les Toro Rosso sont plutôt bien, vous les voyez toutes les deux dans le top 10, ce qui promet pour la qualification dont l'objectif est évident pour les pilotes McLaren, verrouiller la première ligne. Début de soirée en ce samedi ici à Abu Dhabi, on va procéder à l'ouverture de la pitlane au feu vert et au drapeau vert dans quelques instants. Voici la voiture potentiellement champion du monde. On travaille encore chez Vandoorne, là on s'affaire sur l'arrière de la voiture, c'est jamais bon signe. Chez BMW Sauber, on est prêt, on sait que l'équipe disparaîtra finalement à la fin de cette saison pour laisser place à Alfa Romeo qui deviendra donc une équipe junior de la structure Ferrari qui placera d'ailleurs deux de ses jeunes pilotes. Kevin Magnussen est le plus rapide dans cette séance Q1 et vous le voyez, Stoffel Vandoorne souffre du train arrière de sa McLaren. On a vu il y a quelques instants les mécaniciens s'affairer sur l'arrière gauche et on voit que dans les courbes rapides, Vandoorne n'est pas forcément à son aise. Verstappen en 1:41.383 s'empare du meilleur temps. On rappelle la procédure dans cette Q1, réaliser le meilleur temps possible et se placer parmi les 16 premiers puisque les autres seront éliminés. On rappelle également que les pilotes qui se placent dans la Q3 devront partir sur la grille avec les pneumatiques qu'ils auront chaussées lors de la Q2. Donc si jamais vous êtes bloqué en 11, 12 ou 13e place, vous pouvez toujours choisir les gommes avec lesquelles vous allez partir demain. Et cela peut avoir une influence sur la stratégie parce que Pirelli a évoqué deux stratégies possibles pour ce dernier Grand Prix de la saison. Avec les Ultra Soft, on pourrait avoir droit à deux ou trois arrêts. Ce sera selon. Je pense que du côté des équipes, on va mettre ses œufs dans différents paniers. Peut-être pas chez McLaren où on ne devrait pas privilégier une stratégie à l'autre. C'est toujours très délicat d'avoir deux pilotes dans une même structure qui se battent pour un titre mondial, ça s'est vu par le passé. McLaren a bien connu ça à une certaine époque avec déjà Fernando Alonso. C'était il y a 10 ans tout juste face à Lewis Hamilton, parti depuis chez Mercedes. Et si on remonte un peu plus évidemment dans le passé, nous avons eu droit à de belles luttes, notamment à Ayrton Senna face à Alain Prost, pour ceux qui étaient là il y a déjà 30 ans de cela. Pour l'heure, vous le voyez, le ciel est déjà en train de se couvrir, non pas de nuages, mais d'étoiles, puisque la nuit commence tout doucement à tomber. Les feux, les 3000 feux qui allument et qui éclairent ici
le circuit d'Abu Dhabi sont bien en place et la fin de cette Q1 nous met un Stoffel Vandoorne à une très modeste et bien 8e position. On va donc enchaîner avec un deuxième tour, regardez, qui sera beaucoup plus incisif. Et la raison, elle nous a été donnée après la qualification par Stoffel Vandoorne lui-même, qui disait: la mise en température des pneumatiques est très compliquée sur cette piste avec énormément de sable. Vous savez qu'autour d'Abu Dhabi, il n'y a pas grand-chose, même si la ville a bien grandi depuis que l'on vient pour le Grand Prix. Eh bien, il y a toujours beaucoup de sable qui se déplace et dans les grandes lignes droites, eh bien, des fois, ça refroidit les pneus avec le vent. Ça paraît débile, dit comme ça, mais effectivement, ça peut changer le comportement d'une voiture. Et donc, Vandoorne a dit qu'il a besoin de 2 tours pour mettre en température sa voiture et en confiance. Le pilote pourra donc attaquer comme il le veut son véritable tour de qualification. Sébastien Vettel est pour l'instant le plus rapide, le pilote Ferrari, qui devra donc lui aussi conserver son baquet, tout comme Kimi Raikkonen, puisque finalement le transfert qui devait avoir lieu de Stoffel Vandoorne chez Ferrari, eh bien, ne s'est finalement pas opéré pour des raisons de contrat et de financement. Ferrari n'était pas prêt à mettre assez pour casser la clause de contrat de Vandoorne, donc on aura donc le duo Alonso-Vandoorne l'année prochaine encore chez McLaren. Voilà donc l'année prochaine. On peut en parler également rapidement avec une saison qui instaurera une nouveauté, puisqu'on va passer des V6 hybrides aux V8 hybrides. C'est une volonté qu'avait la FIA. Ça a été validé il y a de cela quelques mois. Seuls les motoristes étaient au courant. Et ça a été déclaré au grand jour parce qu'il fallait encore la validation du Conseil mondial de la FIA. Donc finalement, les moteurs développés depuis un an maintenant, les V8 hybrides qui devaient être adaptés tout d'abord à la Formule 2, eh bien seront désormais adaptés à la Formule 1. On partira sur des moteurs 1600 V6 comparés aux 1600 V8, pardon, comparé au 1600 V6 que l'on avait jusque-là. Voilà donc les résultats de cette première séance avec, vous le voyez, Alonso le plus rapide devant les deux Mercedes. C'est important pour la lutte face à la Scuderia Ferrari. On notera la belle performance de Magnussen avec la Haas, de Arianto avec la Manor. Devant, on retrouve également Lance Stroll qui quitte cette première partie de la qualification. Pour les autres, eh bien, on ne passera pas derrière. On notera la perte de Felipe Massa avec la Williams et de Romain Grosjean, 18e avec la Haas. Seul Kevin Magnussen a réussi à passer. La Q2, maintenant, il faut se placer dans le top 10 pour pouvoir accéder à la dernière partie de la qualification et ainsi déterminer les 5 premières lignes de la grille. Il est important pour un Stoffel Vandoorne de bien se placer face à son équipier, car oui, la qualification, on dit souvent, à Monaco, c'est 50% du travail, mais en temps normal, c'est déjà une grande partie du week-end de réussite. Donc on va voir qui sera le plus apte à aller chercher la pole position. Pas de discussion possible sur le choix des pneumatiques du côté de Vandoorne et d'Alonso. Quel que soit le camp, eh bien, ce sont des pneus ultra soft qui ont été montés sur les 2 monoplaces de Woking. On va donc voir qui sera le plus rapide. Tout d'abord dans cette Q2, avec, vous le voyez, le ciel qui est de nouveau un peu plus sombre. La piste est un peu plus dégagée, évidemment, un peu plus fraîche aussi. Et on le sait, hein, par le passé, on a vu que la McLaren, avec les pneus durs et avec une température fraîche, ne fonctionnait pas très bien. En tout cas pour Vandoorne, c'était compliqué. Attention, il est 10e pour le moment, le pilote belge. Attention à ne pas se faire non plus bouter en dehors de la Q3. Ce serait un premier drame. Alors il y a 16 points d'écart entre les deux pilotes. On a tout à fait le droit de vous donner l'information, bien entendu, alors que Raikkonen s'empare du meilleur temps. Vandoorne est à 313 unités, là où Alonso est à 297. Donc nous avons 16 points de différence. Ensuite on retrouve Raikkonen à 249 points et le meilleur temps provisoire a été signé par le 4e du championnat, Sébastien Vettel, à 239 points. On rappelle bien entendu que dans cette Q2, il faut absolument réussir à s'extraire et il ne faut pas faire un faux pas, ce que fait pour l'instant Alonso et Vandoorne, qui est 12e pour le moment sans chrono. Le verdict pour le pilote belge sur la ligne, c'est le 5e chrono derrière Daniil Kvyat. Très impressionnante performance de la Toro Rosso, mais il y a encore des pilotes qui vont passer. L'information de cette séance, c'est Lewis Hamilton qui partira en pneus super tendres, tout comme Valtteri Bottas. Les deux Mercedes se sont qualifiés en pneus super tendres. Ils vont donc partir potentiellement une dans le top 10 et l'autre ce sera 11e rang pour Hamilton, qui a donc finalement une place assez moyenne. On notera la perte également de Lance Stroll. Le passage très impressionant en Q3 de la Manor d'Esteban Gutiérrez, le pilote mexicain, qui se retrouve donc maintenant bien placé. On place maintenant à la nuit, vous le voyez, et surtout, eh bien, au meilleur temps de Fernando Alonso qui vient de l'inscrire, et on va voir qui peut réagir. Va-t-on avoir droit à une nouvelle pole position
du Taureau des Asturies pour cette 21e et dernière manche, ou va-t-on avoir un candidat pour aller le déloger? Pour le moment, Stoffel Vandoorne a déjà entré un chrono dans cette séance et il est loin d'être convaincant. Le pilote belge est 9e, mais il faut dire qu'il a eu un petit souci dans ce tour chrono. Le véritable tour, il est commencé depuis maintenant un partiel. On va avoir le verdict du premier temps partiel de cette escapade en piste pour le pilote belge à la chasse de la pole position et peut-être de son premier titre mondial. Le DRS va s'ouvrir maintenant, voilà, dans ce deuxième segment. Et donc Alonso qui est pour l'instant le plus rapide, on notera que Gutiérrez est 10e, bravo à Gutiérrez hein, sur la Manor. Blocage de roue pour Stoffel Vandoorne qui pour l'instant est à 4 dixièmes de la pole position, c'est énorme à ce stade-ci de la qualif. Va-t-on assister à un retournement de situation? Vandoorne va-t-il au moins se mettre sur les deux premières lignes? C'est important pour la lutte demain. Il va rester le complexe hôtelier à passer à Alonso qui est en pole. Vandoorne en difficulté, il n'y a plus beaucoup de carburant dans cette McLaren. Et Stoffel Vandoorne qui va passer le dernier droit, la réaccélération, il avait 4 dixièmes de retard, oh il perd, 39, 40, oh il va terminer à 1 seconde de son équipier et Stoffel Vandoorne partira seulement 7e demain pour ce Grand Prix. Eh bien cela nous annonce une lutte incroyable pour le titre avec Alonso en pole. L'objectif évidemment de cette qualification était atteint par Alonso mais pas par Vandoorne. Et en ce dimanche, jour de course, la victoire seule compte. Le port de Yas Marina est prêt pour le dénouement de cette saison 2017 de Formule 1 avec donc une course qui s'annonce assez disputée en tête avec les Ferrari, les Mercedes et les McLaren Honda. On plante le décor, vous voyez, il fait plutôt clair, il fait bon. Voici la piste qui sera le théâtre de ce dernier affrontement de la saison. Vous le voyez, un circuit avec deux zones de DRS, deux points de déclenchement également pour le DRS et la somme incroyable de 21 virages. Un circuit de 5 km 500, c'est un des plus longs tracés avec Spa-Francorchamps cette saison. Et on va évidemment dans quelques instants vous montrer les pneumatiques allouées. Donc voilà, les ultra soft à bande mauve, les super soft à bande rouge, les soft à bande jaune. Voilà donc pour les pneus secs, pour les intermédiaires et les pluies, on ne les chaussera pas aujourd'hui, de toute façon il va faire sec. La Red Bull de Daniel Ricciardo, 4e place pour l'Australien qui pourrait venir jouer des troubles faites dans la lutte pour le titre. Et le poleman, potentiellement peut-être triple champion du monde à la fin de ce Grand Prix, Fernando Alonso. Est-ce que l'Espagnol va pouvoir mettre tout dans sa poche lors de ce Grand Prix? Carlos Sainz ici qui a également fait une belle qualification. On découvre également le driver of the day, c'est le vainqueur du Grand Prix du Brésil, c'était Kimi Raikkonen. Vous pourrez de nouveau voter dans la description, bien entendu. Et le message de l'ingénieur de Stoffel Vandoorne qui lui dit « Si tu reviens en tant que champion, ce sera la meilleure chose qui te sera arrivée de ta carrière, je pense. » La grille départ de cette 21e manche, Alonso en pole aux côtés de Raikkonen, deuxième ligne, Vettel, Ricciardo. Je vous ai dit, il faudra se méfier des Red Bull et des Toro Rosso. 5e place pour Bottas, Vandoorne donc 7e, belle 10e position de Gutiérrez. Hamilton aux côtés de Sergio Perez, Lance Stroll sera 13e, le français Esteban Ocon sera quant à lui 15e, Romain Grosjean, l'autre français 19e, et ensuite on retrouve les Renault et les Sauber en fond de peloton. Et Felipe Massa qui a eu 5 places de pénalité puisqu'il a dû changer sa boîte de vitesse qui lui avait posé souci hier pendant les qualifications. Départ du tour de formation ici à Abu Dhabi avec les premières voitures qui s'élancent. Ok Jeff, copy. First of all, I'd like to have few words for the team. Thanks everyone, everybody on the team for bringing me such a good car for all this year. And today we're gonna have one world champion and I'd like to wish the best to Fernando and let's have a fair battle for this title. So good luck everyone. Let's be concentrate and let's bring the trophy home. Eh bien, le message radio de Stoffel Vandoorne assez clair, précis. C'est son premier Grand Prix où il se bat pour un titre de champion du monde face à quelqu'un en Formule 1, et on a senti l'émotion mais la concentration également. Il souhaite
une bonne course à toute l'équipe McLaren et également à son équipier Alonso. Bonne chance, donc on sent qu'on est très fair play du côté de chez McLaren. Est-ce que ce sera de la communication également? On va voir ça finalement dans les premiers tours, puisque le discours va peut-être changer. Mais en tout cas, la mentalité avec laquelle les pilotes candidats au titre abordent cette dernière course est assez sereine et c'est rassurant, puisque Van Dorn a tout dans la poche pour l'instant, 16 points, mais Alonso a l'avantage et il y a 6 voitures qui séparent Van Dorn d'Alonso. Alors, petit peu de calcul dans ce tour de formation. Si Alonso remporte la course, Van Dorn doit terminer au moins 5e pour être champion du monde. Si pas, s'il échoue au 6, 7, 8 ou 9 ou 10e rang, eh bien c'est Alonso qui sera titré. Et si Alonso termine 2e, Van Dorn doit terminer au moins 8e. Voilà donc pour les statistiques. 2 points alors que les pilotes arrivent dans le 3e partiel. On voit qu'Alonso est très très loin devant pour bien mettre en température sa voiture. On se concentre également du côté de Van Dorn. On jette un dernier coup d'œil à la grille avec donc à surveiller la 10e place de Gutiérrez, la 11e de Lewis Hamilton. Le pilote britannique va devoir remonter pour revenir sur son coéquipier. La belle 4e position tout de même de Ricciardo et la 6e de Kvyat. La 18e place de Romain Grosjean, la Haas, continue à être un calvaire pour le pilote français. On va voir comment tout cela va s'enquiller dans ce Grand Prix dont le tour de formation est en train de se terminer. Les premières voitures sont placées. Attention à ne pas perdre trop de temps à se remettre en gris, car les pneus et les freins vont refroidir. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. Okay, Jeff, everything is okay. Everything is okay. Tout est OK dans la voiture de Van Dorn. Les 22 acteurs de ce dernier Grand Prix de la saison 2017 sont placés. Les 5 feux sont allumés. Et départ du Grand Prix d'Abu Dhabi. On roule avec un bon envol de Fernando Alonso. Les Ferrari ont un peu de mal. Attention, Van Dorn au milieu qui ouvre le peloton et qui place et déjà sa voiture en 5e position à l'extérieur face à Valtteri Bottas. Les deux Ferrari sont côte à côte dans les enchaînements. Attention avec l'avantage pour Raikkonen. Alonso s'est déjà envolé. Alonso qui a déjà gagné quelques secondes. Van Dorn qui est pour l'instant 5e. Il plonge face à Ricciardo. Et il va aller même peut-être chercher la voiture de Sébastien Vettel. Il est 3e à l'issue du premier partiel. Quel départ alors que derrière c'est chaud entre les Haas et les Manor. Et on retrouve donc Alonso en tête devant Raikkonen, Van Dorn, Vettel, Ricciardo. C'est le top 5. Pas de DRS pour le moment, il faudra attendre le 3e tour. Derrière ça déboîte, on voit que c'est chaud également avec la voiture de Daniil Kvyat qui était placée 6e sur la grille, qui tente d'aller reprendre l'avantage sur la voiture de Valtteri Bottas. Derrière Esteban Ocon est également à la lutte avec son équipier Sergio Perez. Et bien un départ réussi pour le pilote belge. Alonso en tête donc, Raikkonen qui revient déjà un petit peu sur l'Espagnol. Mais si ces deux-là peuvent céder, eh bien ils vont peut-être partir loin. Le départ qui a donc été donné sans trop de problèmes. On n'a pas perdu de voiture, c'est le principal. Au moins tout le monde aura fait un tour dans ce dernier Grand Prix de la saison. Premier passage vers le complexe. Attention, Van Dorn qui bloque Zéro, qui sort très large. Ah, il faudrait nous montrer ce qui s'est passé. Il a pu conserver sa 3e place, mais derrière c'est revenu très très fort. Attention, parce que là on a peut-être déjà les premiers soucis. Ouais, Van Dorn encore très large. Attention à ce que la direction de course ne penche pas trop son attention sur le cas du pilote belge. Premier tour couvert avec donc Alonso, Raikkonen, Van Dorn, Vettel, Ricciardo, Bottas, Kvyat et Max Verstappen. Voilà donc les hommes de tête de ce Grand Prix. On est en caméra embarquée avec Stoffel Vandoorne dans ce 2e tour. Regardez un peu comment se comporte la McLaren du pilote belge. Il n'y a pas encore d'accès au DRS, on est donc très en retard pour Van Dorn qui est plus en train de défendre qu'autre chose face à Vettel. Allez, on jette un œil un peu plus loin dans le peloton avec ici la voiture de Felipe Massa qui a eu de grosses difficultés au départ. Il n'a pas pu gagner beaucoup de place. Là, il va aller chercher Nico Hülkenberg peut-être au freinage. Est-ce que ça peut passer pour le Brésilien? Et Hülkenberg qui résiste bien. Oh, ils vont se toucher. Ah, il y a eu du roue contre roue. Et derrière, Romain Grosjean va peut-être pouvoir passer en 19e position à l'extérieur. On est avec Lance Stroll qui tente également sa chance.
le Canadien qui devrait sans doute être reconduit aux côtés de Felipe Massa l'année prochaine chez Williams. On fera un point évidemment sur les transferts également pour l'année prochaine, en plus donc de l'instauration des moteurs V8 hybrides. On aura donc droit à quelques nouvelles têtes dans le peloton. Alors, sur... attention, Van Dorn. Van Dorn qui est très très large. Il doit y avoir un souci sur cette voiture. Il est regardé, il est encore à l'extérieur. Vettel va pouvoir peut-être passer. DRS is now enabled and will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Ok, Jeff, copy, but it's too late, Fernando and Kimi are too fast for me, too fast for me. Fernando et Kimi sont trop rapides pour moi, c'est le message de Van Dorn pour l'instant à la radio, qui a peut-être pris un départ du tonnerre mais qui maintenant souffre et est en train peut-être de bouchonner, en tout cas de conserver ses pneumatiques. Et ce qui est sûr, c'est que et Ricciardo et Vettel sont prêts à aller le manger. Ça arrivera d'ailleurs peut-être dans la grande ligne droite. Et le DRS utilisé pour la première fois par les pilotes dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Et donc pour l'instant, si on fait les calculs, Van Dorn 3e plus 15 points. Alonso 1er plus 25 points. Nous aurions donc Van Dorn potentiellement bien champion du monde. Mais évidemment, nous ne sommes qu'au 3e des 28 tours de ce Grand Prix. Et la route est encore longue et ça attaque les vibreurs de manière assez chaude pour Van Dorn. Presque à casser une suspension hein, sur ces gendarmes couchés, alors que l'on retrouve désormais Kimi Raikkonen qui a pris la tête face à Fernando Alonso. Oh, et le blocage de roue encore pour Van Dorn. Van Dorn qui doit être en grosse difficulté avec ses gommes. À mon avis, il est en train de les, comme on dit, de les cramer. Allez, on est 14e avec Rio Arianto, l'Indonésien, qui tente lui de remonter, rejoindre son coéquipier, qualifié superbement 10e tout à l'heure. Arianto devrait être également conservé par... Eh bien, par l'équipe Jaguar. Jeff, I need more power on the straight. More power on the straight. Give me a solution to keep the cars behind. Keep the cars behind, please. We're considering switching to an alternate strategy. Do you want to change or stick to plan A? Copy that. Allez, le départ depuis la voiture de Rio Arianto. Alors qu'on parlait de stratégie du côté de Van Dorn, qui a besoin de plus de puissance en ligne droite. Ici, c'était chaud avec Stroll et Arianto, justement. Ça, c'était pour la 13e place. Départ depuis la voiture de Carlos Sainz, l'Espagnol qui était très bien sur la grille. Ça a bloqué les roues à l'intérieur pour Sainz, qui a dû laisser passer l'une des Force India. Et le départ depuis la voiture maintenant de Sébastien Vettel. Et le champion allemand qui à l'extérieur s'était retrouvé voilà, côte à côte. Et ils se sont touchés avec Raikkonen. Oh là là, ouais, ça a duré quand même un petit bout de temps avant que Raikkonen ne puisse passer et libérer un peu l'espace pour Vettel. Allez, retour aux images du direct avec Van Dorn, toujours 3e, mais Vettel derrière qui pousse. Alors qu'on informe Van Dorn que sa fenêtre d'arrêt est ouverte. Van Dorn qui est vraiment en grosse difficulté là, je ne vois pas comment il va pouvoir résister à Vettel. Attention, parce qu'il a de la marge avec encore 2 positions, mais là... C'est compliqué. Retour sur la tête de course. Alonso n'a pour l'instant pas besoin fondamentalement d'aller chercher Raikkonen. Quoi qu'il arrive, si Van Dorn est 3e, il pourrait garder son titre. Mais Alonso, s'il passe premier et que voilà, Van Dorn souffre, perd 2, 3, 4 places, la chanson n'est plus la même. Et Alonso qui vient d'ailleurs de prendre la tête face à Kimi Raikkonen. Et là où Sébastien Vettel ne parvient pas à revenir sur Van Dorn. L'avantage peut-être de la McLaren avec... Oh, attention! Ouais, Van Dorn qui est allé chercher un plot. Alors, est-ce qu'il a abîmé son aileron? Je ne pense pas. Oh là là, les pneus de Van Dorn qui sont au bout de leur capacité de produire de l'adhérence.
Ok, Jeff Copy, box this lap, super soft tires for the next stop. Allez, ça commence à s'énerver à la radio. On entend Van Dorn qui est un peu plus énervé que tout à l'heure. On demande des pneus soft du côté de Stoffel Van Dorn. Et regardez à quoi ressemblerait le classement si ça reste en l'état avec Van Dorn qui serait champion du monde face à Alonso. Même si ce dernier a repris la tête de course. Alonso d'ailleurs s'empare en 1.43 du meilleur tour. Et Van Dorn qui s'arrête. Alerte chez McLaren. Oh, et attention parce qu'il n'est pas le seul à être rentré. Il est allé toucher la voiture de Sébastien Vettel. Vettel qui a tenté de doubler dans l'entrée des boxes. Je ne sais pas si c'est autorisé par la réglementation. On est donc près chez Ferrari, chez Red Bull pour sans doute Daniel Ricciardo. Et Esteban Ocon qui continue, qui ne s'arrête pas chez Force India. Ce sera au tour de Perez de stopper le premier. Et Van Dorn qui repart derrière une Ferrari et peut-être même la Red Bull. Oh, Van Dorn qui a perdu 3 places. Même Daniel Kvyat est passé, 5 secondes 8 d'arrêt pour Van Dorn. Il est peut-être en train de perdre le titre sur cet arrêt au box. Alors qu'on retourne sur Sergio Perez qui ne s'est pas arrêté non plus. Les Force India continuent sur un stint un peu plus long alors que devant, c'est la bagarre entre, semble-t-il, Valtteri Bottas et Max Verstappen. Pour la 4e et 3e place, l'attaque de Perez sur Verstappen. Alors que là, on ne voit pas très bien ce qui se passe. Ouais, Bottas à l'extérieur qui doit résister au Mexicain. Oh, et il le pousse. Il le pousse à l'extérieur, Bottas. Et là, il y a du monde. Il y a Hamilton derrière qui revient. Bottas est sans doute en train d'aider son équipier. Et on va se retrouver avec le DRS à 3 de front. Attention au freinage. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et Hamilton à l'intérieur qui va mettre déjà d'accord les deux Red Bull Boys. Oh, ça touche. Ben oui, évidemment. Il n'y avait pas de possibilité que ça passe et on va encore en contact. Mais c'est du chausse-pied outre mesure là pour les Mercedes. Hamilton a fini par gagner son dû et se retrouve derrière Perez. Mais à quel prix? Alors là, on retrouve Van Dorn qui était quasiment sur deux roues. Et Alonso au box. Et on en informe d'ailleurs Van Dorn. Alonso est au pit maintenant. Mais regardez, Van Dorn est ressorti dans le trafic derrière Julian Palmer et avec ses pneus soft, la Renault n'est pas prête de stopper. Raikkonen donc au box comme Alonso, ça repart. Et ça repart aussi pour Alonso. Les deux voitures sont donc reparties maintenant en piste avec l'avantage pour l'Espagnol. Regardez ce qui va se passer en haut de l'écran. On va donc retrouver une Mercedes en tête. Et non, Alonso est devant. Alonso est passé devant, par contre Raikkonen est bloqué alors que Sainz est au box. Stroll également, Ocon. Et les 5 secondes de pénalité pour Kevin Magnussen qui aurait eu un jump start. Ça vient de tomber, 5 secondes de pénalité pour le Danois chez Haas. Jeff, I need more power on the straight. The problem is still there. I'm too slow on the straight. Please give me more power on the straight. Van Dorn qui demande plus de puissance à son ingénieur dans les lignes droites parce qu'il est 8e et pour l'instant ça n'est pas suffisant. Raikkonen dans le trafic qui a touché Sergio Perez qui est parti en tête à queue. Et le pilote mexicain a perdu beaucoup de temps dans l'aventure. Ah, l'équipe Force India qui n'est pas au beau fixe pour le moment, elle est un peu malmenée. Retour sur les images de Stoffel Van Dorn qui se bat en 8e position. Nico Hülkenberg maintenant chassé par l'une des manœuvres. Et attention parce que ça peut passer à l'extérieur pour Esteban Gutiérrez, le Mexicain qui passe. Oui, c'est fait. Bon, ça a été aussi très très chaud sur ce coup-là. On voit derrière une Red Bull qui est en difficulté. Et l'arrêt au box finalement pour Perez alors qu'il venait de dépasser l'une des Mercedes. L'autre Mercedes s'arrête pour la première fois. Et on met des pneus tendres à la voiture de Sergio Perez. Même stratégie pour les McLaren. On est rentré en pneus ultra soft chez Van Dorn et Alonso. On est reparti en pneus soft, en pneus super soft pardon, comme c'est le cas pour Perez. Remonté au 6e rang pour Stoffel Van Dorn, mais ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Alors qu'ici, on a une attaque de Kimi Raikkonen sur Hamilton. Hamilton en pneu soft, Raikkonen en super soft. Est-ce que ça peut passer? Attention à ne pas se toucher. Ah, si, il le pousse, Hamilton.
Lewis Hamilton qui va donc passer peut-être à l'extérieur. Superbe manœuvre devant la tribune pleine ici, et ça résiste pour la Ferrari. Et attention, parce que Van Dorn est en proie aux assauts de Ricciardo maintenant. Okay, gap ahead is 6.4 seconds. Jeff, my brake temperature in front are too high. Brake temperature at the front too high. Could you look at that, please? Température des freins avant élevée pour Stoffel Vandoorne. C'est jamais de bon augure, des soucis de frein à la radio. Et oh, et ça sort large. Vandoorne qui va peut-être devoir laisser passer la voiture de Ricciardo. Et regardez, si on fait le point au classement actuellement, Alonso est champion pour un point. Pour l'instant, Stoffel Vandoorne en grosse difficulté. Va-t-il réussir à renverser la vapeur pour reprendre l'une ou l'autre position? Attention, il y a des stratégies à 2 et 3 arrêts pour différents pilotes. Je pense que chez Ferrari, on est parti pour un 3 stop. Et on stoppe maintenant chez Gutiérrez et la Manor. On observe l'arrêt du côté du Mexicain sans problème pour la future équipe Jaguar. Et on ressort en piste pour Gutiérrez qui devrait perdre son baquet comparé à son coéquipier, alors que Vettel est en train d'aller chercher justement l'équipier de Gutiérrez, Arianto. La Manor se fait dépasser, quoique, ça résiste. Oh, ils vont se toucher. Allez, Arianto en tête à queue. Oh, il peut la sauver, mais de peu. Décidément, le passage côte à côte dans cette chicane pose des problèmes à bon nombre de pilotes dans ce Grand Prix. Et nous sommes à peine au tiers de cette épreuve. Eh bien, ça s'annonce compliqué pour les deux derniers stints de ce Grand Prix, avec pas mal de choix différents stratégiquement. Yes, Jeff, I'm gonna burn more fuel, but I cannot be faster for the moment. The car is really, really difficult to drive. I think I can catch the top five, but I cannot do more for the moment with this car. Cannot do more for the moment. Je ne peux pas faire plus pour le moment. C'est le message passé par Stoffel Vandoorne à son ingénieur. Il a expliqué, je peux peut-être aller chercher le top 5, mais mieux c'est impossible. Et on va l'aider puisque Arianto rentre maintenant au box. Vandoorne remonte au 5e rang, ce qui signifie que désormais il est champion du monde. Le titre vient de basculer de Alonso à Vandoorne en 500 mètres. Le temps pour Arianto de rejoindre la voie des box et de chausser des pneus super tendres sur la Manor. Et donc maintenant 5e, Vandoorne est potentiellement champion. Attention, parce que derrière, Bottas ne l'entend peut-être pas de cette oreille. Lui n'a rien à jouer, même si au briefing ce matin la consigne a été de ne pas déranger la lutte pour le titre. On n'empêche pas les pilotes de faire leur course, bien entendu. L'attaque de Bottas, elle est très importante, cette attaque. Et il se ravise, et ça permet derrière à la Red Bull de recoller. Nouvelle zone de DRS pour Bottas, et peut-être une occasion de dépasser. Non, Vandoorne reste 5e pour le moment. Mais l'étau se resserre derrière le Belge. Ah, les points valent très très cher dans ce dernier Grand Prix. Et regardez, oh, et Vandoorne qui se loupe. Vandoorne qui se loupe et Bottas qui passe. C'est pas sûr. C'est pas sûr, le Finlandais à l'extérieur peut-être. Et Vandoorne qui résiste. Oh, et oh, il se touche. Ah, il y a eu contact entre les deux voitures. Bottas essaie maintenant à gauche, ça ne passe pas. Et c'est peut-être la Red Bull qui va en profiter, non? Vandoorne qui défend comme un beau diable cette 5e place significative dans sa stratégie. Alors que plus loin, on a Romain Grosjean à la lutte avec Sergio Perez. Alors que le Français rentre avec la Haas. On suit Perez avec Palmer devant lui. Le pilote britannique en grosse difficulté. Lui, il va sans doute perdre son baquet pour 2018. On le retrouvera du
côté de la troisième marche en tant que pilote d'essai Renault. C'est le jeune russe Sergei Sirotkin qui serait promu à sa place. Mais tout cela est à mettre au conditionnel. Les détails de Sergei Sirotkin devraient être vus dans les prochains jours. Sergio Perez, retour avec le Mexicain, décidément la star de ce Grand Prix, à l'image avec le DRS peut-être pour aller chercher la 12e position sur Palmer. Et ça passe, le Britannique ne peut rien faire, mais maintenant c'est lui qui va avoir le DRS pour la deuxième zone. Il faut réussir la sortie de cette chicane pour le Britannique. Allez, le DRS, ça s'ouvre également derrière pour Lance Stroll, le Canadien sur la Williams. Et les deux Force India qui seront également conservés l'année prochaine. Et Esteban Ocon et Sergio Perez. Et on revient sur Stoffel Vandoorne, toujours cinquième, toujours champion pour le moment. Mais quelle intensité dans cette course où on ne sait pas ce qui peut se passer à tout moment. Le titre peut changer de main. Bottas qui est proche, Bottas qui est vraiment proche. Bottas qui pourrait aller jouer sa carte, hein. Il n'a rien à perdre, lui. La seule chose dont on demande de faire attention aux pilotes, c'est de ne pas heurter l'un des concurrents. Yes, Jeff, copy. I agree. I think the both of the Ferraris are on the same strategy. Three stops for Kimi and Vettel. Three stops for the both drivers. Et on discute de la stratégie des autres pilotes autour de la McLaren de Stoffel Vandoorne et on en conclut que Ferrari va faire stopper trois fois ses deux monoplaces. Et Daniel Ricciardo, spectateur privilégié de l'explication pour le cinquième rang de ce Grand Prix entre Valtteri Bottas et Stoffel Vandoorne. Bottas qui se montre une nouvelle fois menaçant, mais pas d'attaque de la part du Finlandais. On te rappelle qu'il a été promu suite à la retraite de Nico Rosberg, dont le retour avait été évoqué d'ailleurs il y a de cela quelques semaines. Certains pensaient qu'il allait sortir de sa retraite, mais Valtteri Bottas ayant fait de très bons résultats face à Hamilton, même d'excellents résultats, eh bien le contrat avec l'option d'une deuxième année pour Bottas a été activé. Hamilton est en train de rentrer et va chausser des pneus soft. Et des super soft maintenant, à la place donc de ces pneus soft. Et attention parce que la pit lane est longue, ça peut être une quatrième place pour Vandoorne. Et techniquement, c'est fait. Et on retrouve donc maintenant Vandoorne au pied du podium. La deuxième salve d'arrêt pour les pilotes qui optent pour 3 stops ou 2 stops, ça dépend. Hülkenberg ici avec la Renault. L'Allemand qui doit absolument réussir ce dernier Grand Prix pour le compte de l'équipe française. Toujours en restructuration avec des moyens de plus en plus importants. Oh, attention, Vandoorne qui est attaqué à l'extérieur par Ricciardo. Oh, et Ricciardo qui va sans doute passer. Oh, Vandoorne de roues bloquées avant l'hôtel. On pensait voir Bottas débouler finalement. C'est Ricciardo qui nous a tous surpris là en venant sur la gauche. Oh, Vandoorne qui est en grosse difficulté avec ses pneumatiques. Il ne serait pas étonnant de voir le pilote belge revenir au box, chausser ses pneus soft pour terminer le Grand Prix d'Abu Dhabi. Pour l'instant, il est cinquième, ça tient. Jeff, I absolutely don't care about Massa. I need the gap with me and Fernando and with me and Ricciardo. Is that clear? Ça chauffe dans les oreilles de Jeff Vandoorne qui s'énerve. Il a besoin d'informations utiles. Thanks, Jeff.
Finally. Ah oui, là, ça... C'est bonne ambiance, hein, du côté de chez McLaren. Alors, on sait l'équipe toujours froide, studieuse, etc. Le tempérament de Van Dorn ajouté à celui d'Alonso ont un petit peu cassé cette image. Et là, on peut dire que ce qu'on a entendu était assez clair. Van Dorn veut des informations précises et quand il le demande, pour comprendre ce qui se passe autour de lui. Alors, Hamilton, qui partait, on le rappelle, à la 11e place de ce Grand Prix, a observé son premier arrêt, a quitté ses pneus soft pour des super soft à bande rouge. Maintenant, il est à la chasse d'une des Toro Rosso pour éventuellement gagner la 7e place. Regardez, là on a le 4e, 5e, 6e, 7e et 8e dans la même image. De quoi vous dire que les stratégies, même décalées, sont assez parfois proches. Oh, et Van Dorn encore en train de bloquer ses roues au fond de l'image. Ouais. C'est pas tip-top là ce qu'il est en train de nous faire, Stoffel. Ah ouais, non, la preuve, Bottas est revenu. Valtteri Bottas est revenu, Van Dorn va stopper. Non, la trajectoire, il est nulle part le pilote belge pour le moment. Est-ce qu'on n'est pas en train de flancher du côté de Van Dorn? Et est-ce qu'Alonso n'est pas en train d'aller chercher son troisième titre de champion du monde avec McLaren? Il avait déjà essayé il y a 10 ans de cela, il avait échoué. C'était Lewis Hamilton qui en 2008 allait être champion après une année catastrophique chez McLaren en 2007 avec Alonso où c'était la guerre, le tout sous le commandement de Ron Dennis. Aujourd'hui, Eric Bouillet a deux voitures capables d'être championne du monde. Ce sera l'une ou l'autre. Si les deux abandonnent, c'est Van Dorn, puisqu'il aura plus de points. Celui qui a le plus à perdre, c'est bien évidemment Stoffel Van Dorn avec ses 313 unités. Il faudrait faire un point également sur ce qui se passera au niveau des déclassements. Pour l'instant, nous aurions 323 points pour Van Dorn, 322 points pour Fernando Alonso. Alors qu'on dit à Van Dorn de stopper l'arrêt au box programmé pour la fin de ce tour. Il va rester 28 tours, 15 tours couverts. Il restera donc 13 tours à faire avec les pneus tendres. On voit qu'Alonso continue sa chevauchée sans trop de problèmes pour l'Espagnol du côté de Van Dorn. C'est un peu plus compliqué, notamment avec ses freins. Ok, Jeff, we have to stop this lap for the soft tires. Soft tires for the next stop, confirm please. Arrêt au box à la fin du tour pour Stoffel Van Dorn. Ça rentre également pour Ricciardo devant. Et Bottas qui continue. Et Hamilton aussi. Allez, ça va nous faire plonger Van Dorn dans le classement. Oh, les freins bloqués à l'entrée des box. C'est pas joué à grand chose la pénalité. Verstappen hein, qui est au box, pardon. Et non pas Daniel Ricciardo. Si, c'est Ricciardo qui est au box, pardon, qui ressort. Et les pneus soft pour Van Dorn. On va aller au bout chez McLaren. Et ça repart. Juste derrière la voiture de Daniil Kvyat qui passait par là. Belle course de la part du pilote russe pour le moment. Et on repart pour la dernière fois à l'assaut du circuit de Yas Marina. C'était le dernier arrêt au stand de la saison pour Van Dorn qui se place juste devant Gutiérrez et qui va faire les freins à la voiture de Kvyat qui bloque ses roues. Oh, la surprise pour Daniil Kvyat là, qui n'était pas prêt à voir débouler le bolide orange dans ses rétroviseurs. Et le dernier arrêt de la saison s'est bien passé pour Stoffel Van Dorn. On va attendre pour Alonso évidemment maintenant, mais pour l'instant, si on doit faire un point en classement actuellement, Van Dorn n'est pas champion du monde. C'est Alonso qui récupère le titre, mais il faut encore revoir l'arrêt du pilote espagnol. Allez, on continue dans cette lutte incroyable. Je rappelle que vous pouvez voter évidemment dans le straw poll disponible dans la description pour le pilote qui sera votre driver of the day. Jeff, just tell me how many cars I have to overtake before the end of the race. Just tell me how many cars to overtake and who is gonna pit on the next lap. Stoffel Van Dorn qui demande qui va encore ravitailler avant la fin de la course, qui va s'arrêter, combien de voitures à dépasser. Et la réponse, elle est déjà sous vos yeux avec Bottas, Sainz et Verstappen au box. Allez, on espère que ça va bien se passer pour tout le monde.
Alors que Raikkonen est ressorti des softs pour Bottas, c'est logique. Des softs pour Verstappen, c'est logique également. Et derrière, on a l'arrêt d'Esteban Ocon, le Français qu'on n'a pas encore beaucoup vu dans cette épreuve. Il est très discret. Également sur la stratégie à deux arrêts chez Force India. Et on sort chez Sauber également. Tout le matériel pour sans doute accueillir Pascal Wehrlein dans quelques instants. Lance Stroll a également chaussé des pneus tendres. C'est effectivement le pilote allemand qui vient chausser pour la dernière fois un nouveau train de pneus dans cette saison. Voilà le dernier arrêt pour les mécaniciens. La saison est quasiment terminée. Alors on est avec Van Dorn. Van Dorn qui se retrouve donc 8e du Grand Prix devant Bottas, mais derrière Ricciardo. Est-ce que Stoffel Van Dorn est capable d'aller chercher ses 3 positions? Il a 3 voitures à dépasser. Oh, et chez Van Dorn, on parle d'une perte de puissance moteur. Attention! Attention à ces alertes du côté de la radio de Van Dorn où on dit que le moteur va montrer des signes d'usure. Ça ne va pas aider le Belge dans sa lutte pour le titre. Vettel derrière Hamilton. Ces deux-là sont sur le même coup stratégique, mais avec une inversion au niveau des pneus. Et derrière, on attend Perez. Perez qui plonge et qui a d'ailleurs été assez gourmand sur la ligne blanche. J'espère que la commission de course ne va pas trop se pencher sur cela. Et pour Perez aussi, ce sera le dernier arrêt de la saison. Le Mexicain qui stoppe sa Force India et ça se passe pas trop mal. Bel arrêt pour les mécaniciens de chez Force India. Alors que derrière, on a également une Manor. Ça, ce sera peut-être... Voilà le dernier arrêt de l'histoire de l'équipe Manor, peut-être. Et il aura été effectué par Esteban Gutiérrez. Dernier arrêt peut-être pour cette équipe Manor. Allez, il faut repartir maintenant avec des pneus frais. Il y a beaucoup de saleté, hein, beaucoup de sable dans cette sortie des stands. Van Dorn qui est remonté 7e avec les arrêts de ses petits camarades. Et qui a, semble-t-il, des dégâts au niveau du flap avant droit. Ah, il y a des dégâts, on aurait perdu un morceau de carbone sur le flap avant droit de la voiture de Fernando Alonso ou de Stoffel Van Dorn, c'est bien ça. C'est ce qu'on nous dit un petit peu comme information, c'est ce qui nous arrive. En tout cas devant, l'avantage pour Van Dorn, c'est qu'il a lutte pour le titre. Regardez ce qui est en train de se passer au championnat du monde alors que Vettel attaque Hamilton. Alonso 322 points, Van Dorn 319, le pilote espagnol serait champion du monde avec Vettel qui insiste. Face à Hamilton, ils se sont touchés encore une fois. Le roue contre roue, bah jusqu'au bout, on ne va rien lâcher évidemment. Ferrari et Mercedes sont en bagarre pour le titre constructeur et ça peut encore basculer entre l'un ou l'autre camp dans les derniers tours de ce Grand Prix et de la saison. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'enjeux. Si on sait que McLaren a déjà raflé le titre constructeur et raflera le titre pilote, mais avec qui? Avec qui, je vous le demande? Pour l'instant, c'est Fernando Alonso qui est champion du monde et il est en tête. Il est bien parti pour mener sa barque jusqu'au drapeau à damier. Puisqu'il ne devrait pas pleuvoir. Alonso qui va se sortir sans doute beaucoup plus frais. La barque, elle est remplie d'eau, hein, du coup, puisque avec les 3 litres d'eau perdus par les pilotes pendant ce Grand Prix, malgré la nuit, c'est un des plus éprouvants physiquement. Romain Grosjean chez Haas pour un dernier arrêt. Extrêmement rapide l'arrêt de la Haas. Le Français retourne en piste, mais il sera en dehors des points pour le moment. On va faire le calcul d'ici 3-4 tours, mais il ressort derrière son équipier. On est très très loin du côté de Grosjean, parti, on le rappelle, à la 18e place sur la grille de départ. Van Dorn, 6e, revient sur Ricciardo. Van Dorn qui est en train peut-être d'aller chercher son titre de champion du monde. Il doit pour cela aller dépasser cette Red Bull de Daniel Ricciardo. Et Alonso en tête. Regardez les écarts. Un point d'écart pour le titre de champion. Qui reviendrait pour l'instant à Fernando Alonso qui continue. Il ne peut rien faire de plus s'il veut espérer être champion. Il a fait la pole. Il a pour l'instant le meilleur tour en course. Il est en tête.
Ça dépend maintenant de ce qui va se passer dans le chef de Vendôme pour l'attribution de la couronne mondiale. On est avec la deuxième place de, pour l'instant, Kimi Raikkonen, troisième Vettel, qui vient de se débarrasser de Lewis Hamilton, mais le pilote britannique ne va pas laisser Mercedes en reste pour un dernier podium cette saison. L'avantage toujours à la Ferrari, mais je pense que DRS Hamilton va pouvoir jouer son coup. On va voir ça avec la caméra sur l'arceau de la Mercedes du Britannique. Va-t-on assister à un changement de position ? Non, il est loin, il est assez loin, Hamilton qui ne gagne pas en vitesse de pointe. À l'intérieur, peut-être, pour résister à Hamilton. Ah, ils sont côte à côte, ils se sont encore touchés, c'est incroyable, hein, le nombre de contacts. Ouais, ils sont pas contents, Vettel qui lève la main. Et on le serait à moins, mais Hamilton est mieux placé pour l'intérieur. Est-ce qu'il va reprendre l'avantage sur la Ferrari? Est-ce qu'ils vont pas se sortir? Oh, Vettel à l'extérieur. Et Hamilton qui va passer. Et Hamilton qui va peut-être passer, non. C'est superbe, ils vont avoir fait quasiment un demi-tour côte à côte. Et là, Hamilton a pris l'avantage. Mais que c'était chaud. Superbe bagarre pour la troisième marche de ce podium entre les deux champions du monde qui ne le seront pas cette saison. Ça, on peut vous le dire, peut-être l'année prochaine, qui sait. Vettel, Hamilton, la lutte pour la troisième place est en tout cas la plus intéressante pour la réalisation en ce moment. Il ne se passe pas grand chose d'autre, hein. Si ce n'est Van Dorn qui perd un peu de temps sur la voiture derrière lui, il ne revient pas idéalement non plus sur Ricciardo. Ça reste assez constant comme écart entre les deux voitures. Voilà justement Van Dorn qui regardait ce qu'il a derrière lui. Il a Kvyat, il a je pense une Mercedes. Oh là là, le blocage de roue encore une fois pour Van Dorn. En grosse difficulté, hein. Grosse difficulté. Regardez les dégâts sur l'avant de la voiture de Stoffel Vendôme qui est allé, nous dit-on, toucher l'une des voitures alors qu'il résistait tout à l'heure à une attaque. Il a derrière lui peut-être l'attaque de Daniil Kvyat qui s'empare du 6e rang de ce Grand Prix. Est-ce que Vendôme peut répliquer au freinage? Il croise, il bloque à son tour ses roues. Ok, Jeff, non. Just tell me what's the gap with Alonso and if this position is enough to be world champion, okay? Just this information. For the rest, let me drive and we're gonna make it. Ça va le faire pour Van Dorn. Il a 7 tours pour écrire l'histoire. Va-t-il réussir à résister à ce monde derrière lui dans ses 7 derniers tours? Il a demandé à la radio qu'on la forme uniquement de l'écart avec la voiture devant, derrière et la position d'Alonso pour voir si sa position suffit ou non à être champion du monde. On commence à calculer, les comptes d'apothicaire reviennent chez McLaren, ça faisait longtemps qu'on n'était pas confronté à ce problème. L'équipe qui depuis le moteur Honda revient de très très loin, dernier titre d'une McLaren à moteur Honda 91 avec Ayrton Senna. Année incroyable. Cette saison 2017 qui aura porté évidemment de nouveaux talents sur l'avant de la scène. Des pilotes qu'on n'attendait pas, des déceptions évidemment également. Mais en tout cas une saison qui aura été superbe à vous faire partager, très intense. Vous avez été très nombreux à la suivre et elle va se terminer ce soir avec, vous le voyez, Rio Arianto ici à la bagarre, on est en lutte pour peut-être des points. Van Dorn 6ème, regardez l'écart avec les autres derrière pour l'instant. Ça n'est pas suffisant, pour l'instant Van Dorn n'est pas champion du monde. Van Dorn doit terminer 5ème et regardez l'écart avec Ricciardo, ça paraît impossible à faire. Pour l'instant, à 6 tours de l'arrivée, plus que probablement Fernando Alonso va remporter son 3ème titre de champion du monde après 2005 et 2006 chez Renault.
plus de 10 ans d'attente pour l'Espagnol. 41 secondes de retard sur Alonso pour Ricardo. Alonso était sur une autre planète aujourd'hui. Par la stratégie de carburant pour Van Dorn, regardez ce qui se passe devant. Attention, hein, attention, parce qu'on ne le souhaite pas, mais si ces deux-là viennent à se mettre dehors, Van Dorn est cinquième. Attention, arrêt au stand. Ah, c'était pas prévu ça. Arrêt au stand d'Hamilton, et ça pourrait peut-être offrir la cinquième place qui serait suffisante à Van Dorn pour être titré. Attention, il faut calculer avec précision, on remonte un train d'ultra soft chez Hamilton, c'était pas prévu peut-être chez Mercedes cet arrêt supplémentaire. Van Dorn qui déboule dans la ligne droite, il va être cinquième à 4-5 tours de l'arrivée. Nouveau changement dans la lutte au championnat du monde. C'est Van Dorn qui passe, voilà. Il doit ressortir devant Hamilton, il est cinquième. Et donc Alonso n'est plus champion du monde à 5 tours de l'arrivée maintenant. Incroyable scénario, Hamilton qui boxe. Et c'était loin d'être prévu cet arrêt chez Mercedes, je peux vous le dire. Arianto en difficulté, attention, il y a une voiture au ralenti alors que ça rentre pour Nico Hülkenberg, l'allemand. Ah, je pense qu'on a mal calculé, ceux qui ont opté pour deux arrêts se sont peut-être fait avoir. Et il fallait trois stops dans cette stratégie, attention, l'attaque de Danil vient à la chicane peut-être. Et ça résiste encore et toujours, mais quelle défense, incroyable, il a maintenant 8 secondes de retard sur Ricardo. Et regardez l'écart, 10 points pour Van Dorn, ça ferait 323 contre 322. Alonso perdrait le titre pour un point, et il est de nouveau champion puisque Van Dorn a perdu deux places. Il y a Kvyat qui est passé, Bottas aussi, et on s'est touché derrière, et Bottas qui perd de nouveau deux places, Van Dorn de retour au cinquième rang. Je crois que le titre a changé de main 3 ou 4 fois dans ce 23e tour de course. Voiture arrêtée au poste numéro 18, qui n'est pas passé. C'est au bout de la deuxième ligne droite qu'il y a un souci à la chicane. Attention, voiture de sécurité virtuelle. Et c'est très important. Cette procédure est très importante et semble-t-il c'est Romain Grosjean qui a eu un problème. Voiture de sécurité virtuelle, ça va peut-être sauver. Oh là oui, il manque un aileron sur la voiture de Romain Grosjean qui semble-t-il est allé bien taper. Et il est derrière Alonso. Est-ce qu'il a été peut-être trop s'écarter pour laisser passer l'Espagnol? En tout cas, on est sur régime de safety car virtuel maintenant pour la première fois dans ce Grand Prix. Et avec sa cinquième place, Van Dorn est champion du monde pour le moment. Là où Alonso a tout fait pour gagner ce titre, ça va se jouer à un point alors que Van Dorn a parfois eu jusqu'à 30-40 points d'avance à la mi-saison. Et Romain Grosjean au ralenti évidemment comme tout le monde avec ce régime de sécurité pour peut-être aller chercher les morceaux du museau de la Haas. Alors j'espère qu'on va peut-être voir ce qui s'est passé pour le Français. Alors l'arrivée se fera sous drapeau vert évidemment, la safety car virtuelle va peut-être s'arrêter au moment où voilà la piste a l'air d'être dégagée. On a une information très claire qui vient de nous être passée. Romain Grosjean est dans la voie des box, on va donc pouvoir voilà repartir dans 30 secondes la fin de la sécurité, la période de voiture de sécurité virtuelle, pardon, j'en perds mes mots avec tout ce qui se passe. Un nouvel arrêt pour une Manor, semble-t-il, Rio Arianto qui a de nouveau opté pour la voie des box. Et regardez le changement de capot sur la voiture de Romain Grosjean et c'est reparti, drapeau vert dans 10 secondes maintenant ici à Abu Dhabi. On va repartir, on l'espère, jusqu'à l'arrivée. Et c'est voilà les 5 dernières secondes. Fin de la voiture de sécurité virtuelle, on repart au régime de drapeau vert. Il faut aller voir ce qui se passe peut-être avec Van Dorn, avec Bottas, avec Hamilton, peut-être pour la cinquième position, voilà. Et c'est reparti. Et il va nous rester 4 boucles, 4 tours dans ce Grand Prix, dans cette saison. Et pour l'instant, Van Dorn est champion du monde. Mais ça se joue au point près avec peut-être derrière les Mercedes qui vont avoir leur mot à dire, hein. Avec les pneus ultra soft, Hamilton tourne très très vite. Il a déjà fait la jonction avec son équipier et avec Daniil Kvyat qui sont juste derrière Van Dorn maintenant.
On va assister à 4 derniers tours sous très très haute tension dans le chef des mécaniciens et des dirigeants de chez McLaren. Okay, Jeff, it's the critical time now. I need everything from the engine. We're gonna stay at this fifth position. I need to be clear from the DRS and I need to go to the end with this pace. So please give me everything on the car. If we broke, that's it. But if we win, we will be world champion. So it's now, Jeff. It's critical time. A-t-on entendu à la radio? C'est maintenant ou jamais, Vandoorne qui dit j'ai besoin de tout ce qui est possible dans le moteur pour résister à la remontée d'un Lewis Hamilton qui est en train de survoler le peloton. Il tourne quasiment une demi-seconde plus vite. Il vient de se débarrasser d'une Red Bull et d'une Toro Rosso. Et je ne vois pas pourquoi Bottas ne s'effacerait pas pour laisser peut-être Hamilton chercher la cinquième position. En tout cas, Vandoorne en a plein les rétroviseurs avec les deux Mercedes qui reviennent très très fort. Et il a dit à son ingénieur, ça passe ou ça casse. C'est simple, c'est le titre ou rien. Philosophie très agressive quand on sait que pour l'instant, c'est suffisant. Mais regardez ça. Alonso qui rentre dans les 3 derniers tours du Grand Prix. Et on a donc 5e. Vandoorne, 6e. Bottas, 7e. Hamilton. Mais regardez Hamilton qui est très rapide. Et il ne serait pas étonnant de voir peut-être d'ici 1 ou 2 tours le pilote britannique prendre le meilleur tour en course. Et c'est fait. Record du tour pour Hamilton. Il tourne bien plus vite que tout le monde avec ses pneus ultra soft. Il a été également aspiré par Bottas dans les deux secteurs, donc ça aide aussi pour mettre le tour le plus rapide. La vue depuis l'hélicoptère, 3 tours pour décider du nom du champion du monde. Cette saison sera décise jusqu'au bout avec les freinages approximatifs de la McLaren. Attention parce que et Bottas et Hamilton vont disposer du DRS. La sortie de Bottas qui est excellente pour la grande ligne droite. Le point de déclenchement, il est ici, voilà. Est-ce que Bottas peut porter l'attaque à l'intérieur? Vandoorne qui protège. Bottas choisit l'extérieur maintenant. Oh, Bottas est passé. Ils sont côte à côte, il faut ressortir maintenant. Bottas est passé. Alonso est champion du monde maintenant. Est-ce qu'Hamilton peut à son tour aller chercher la McLaren? Ou est-ce que Vandoorne va réagir avec à son tour le DRS face à Bottas à l'intérieur? Et ça repasse. Retour au 5e rang devant les deux Mercedes grâce au DRS. Incroyable fin de course ici à Abu Dhabi. Et Vandoorne est de nouveau champion du monde. Allez, avec Valtteri Bottas en caméra embarquée, il a le dénouement de cette saison entre les mains, le Finlandais. C'est à lui, Hamilton, que vont revenir l'attribution d'un titre, une année de bagarre, de lutte, de joie, de déception. L'équipe Mercedes qui avait commencé très très fort cette saison et qui a chuté face à Ferrari est en train peut-être ici de prendre sa revanche sur McLaren avec les deux pilotes chasseurs jusqu'au bout de cette dernière épreuve, alors qu'Alonso est en train de prendre quasiment maintenant le meilleur tour en course. Puisque il est quand même derrière hein, Hamilton qui reste le plus rapide sur ce circuit. En tout cas, il a rentré le tour le plus rapide. Le dernier tour, il était plus lent évidemment avec le trafic. Et rebelote le DRS pour les deux Mercedes qui ont d'ailleurs déposé hein, la Toro Rosso derrière. Regardez les turbulences pour Hamilton qui doit zigzaguer. Il a du mal de tenir son volant. Les turbulences des deux voitures devant lui. Bottas qui réitère à l'extérieur peut-être. Et il passe. Non, ça résiste, Vandoorne qui bloque ses roues. Est-ce que Bottas peut résister à l'extérieur? Non, les deux Mercedes vont peut-être se toucher. Oui, Hamilton qui a touché Bottas, mais Hamilton est désormais passé. Et avec ses pneus super tendres, ultra tendres même, il est peut-être plus à même d'aller attaquer la McLaren que son équipier. Il va rester un tour, il va rester un tour et Alonso vient de l'entamer. Alonso qui vient de rentrer dans son dernier tour ici à Abu Dhabi. Lewis Hamilton qui va peut-être aller chercher Stoffel Vandoorne à l'extérieur. Non, sur les freins. Quelle résistance du pilote belge. Peut-être pour aller chercher ce titre. Alors que derrière, on a les Toro Rosso qui s'expliquent avec voilà la voiture de Max Verstappen qui est rentrée un peu plus tard que les autres au box avec des pneus plus frais. Mais c'est ça qu'il faut suivre. Voilà la lutte pour cette 5e place qui n'a jamais eu autant de valeur que depuis ce dernier Grand Prix.
Et Sainz qui est passé devant Gviat, je crois. Regardez dans le fond de l'image, on voit les deux Mercedes à la chasse. Et c'est le dernier tour pour Stoffel Vandoorne. S'il termine devant ces deux Mercedes, il est champion du monde. Sinon, ce sera Fernando Alonso pour un point d'écart qui va remporter le titre de cette saison 2017. Fin du premier partiel, attention, on a vu tout à l'heure que les Mercedes étaient très à l'affût dans la ligne droite, mais cette fois-ci, c'est Hamilton avec les pneus ultra tendres. Ça ressort bien, évidemment, pour le Britannique. Ça ressort très, très, très bien pour le Britannique. Alonso qui doit serrer les fesses, ça protège pour Vandoorne à l'intérieur. Et à l'extérieur, Lewis Hamilton, est-ce qu'il passe? Oui, c'est fait, non! Est-ce qu'il peut résister? Il n'y a pas de contact entre les deux voitures. Maintenant, il y a contact. Roue contre roue. Hamilton qui n'est pas passé. Nouvelle zone de DRS pour les deux Mercedes. Non, attention, c'est Vandoorne qui a le DRS. Ce sera peut-être suffisant. Hamilton à l'intérieur, Bottas à l'extérieur. Ils vont être 3 de front. Et Hamilton qui touche la voiture de Vandoorne qui passe malgré tout. Il reste cinquième. Les Mercedes auront tout essayé. Je pense que l'on va terminer avec un champion du monde belge pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1. Hamilton n'a pas réussi à passer avec les ultra-soft malgré la stratégie agressive. Alonso a remporté ce Grand Prix, c'est terminé. Mais maintenant, il faut attendre. On compte les secondes chez McLaren. Pour l'instant, Vandoorne est champion, ça sort large. Il va rester deux freinages au pilote belge. Un freinage maintenant. Si Hamilton ne ressort pas mieux, ce sera fait. Et voilà, c'est fait. Victoire d'Alonso et titre pour McLaren et pour Stoffel Vandoorne, c'est fait. Yes. That's it, Jeff. We did it. Yes. Yes. Thank you. Thank you. Thank you for everything. I will not believe it at the beginning of the season, but we did it. We are world champion. Thank you, guys. Thank you very much for the car, for everything, for believing me, for giving me this wheel. Thanks to Eric, thanks for everything for this year. This will be unforgettable for me. Thank you guys, thank you. Et la joie évidemment du clan McLaren qui a géré cela d'une main de maître avec évidemment le malheureux vainqueur Fernando Alonso qui s'impose une nouvelle fois. Il aura raté son troisième titre une nouvelle fois à Abu Dhabi et pour un point. Ça avait déjà été le cas en 2010 et en 2012 avec une lutte incroyable face au Red Bull cette fois-ci. Et regardez Valtteri Bottas finalement 7ème. Ouais, y a des regrets chez Mercedes évidemment. Et le podium sans le champion du monde. Victoire donc de Fernando Alonso devant les deux Ferrari. De quoi conforter la Scuderia au classement constructeur. Mais quelle fin de course incroyable. Victoire de Fernando Alonso. Titre de Stoffel Vandoorne. Titre de McLaren. On va évidemment faire les comptes. Mais d'abord le champagne bien entendu. Le champagne d'une saison incroyable ici, terminé à Yas Marina sous les étoiles. Et le résultat final de ce Grand Prix avec, vous le voyez, la cinquième position de Stoffel Vandoorne, suffisante, le podium également. Et la belle performance de Daniil Gviat, dixième, qui empêche la voiture d'Esteban Ocon de marquer des points. Belle performance également pour Max Verstappen, le classement final de cette saison. Vandoorne champion pour un point face à Alonso, les Ferrari sont bien sûr derrière et finalement Hamilton termine devant Bottas. Seul Daniil Gviat se hisse au 12e rang, à 33 points. À égalité avec les deux Manor, Gutiérrez dans le top 10. C'est quand même assez impressionnant. Et la déroute de cette saison, c'est bien sûr l'équipe Red Bull Racing avec ses deux pilotes qui terminent 7 et 9e. Verstappen qui a eu énormément de soucis en qualification cette année. Ça a été très compliqué pour l'équipe autrichienne, hein, l'équipe britannique avec Red Bull qui a eu donc beaucoup de mal. Et derrière, vous le voyez, seuls Julian Palmer et Marcus Ericsson n'ont pas marqué de points. Renault et Sauber ont bien évidemment marqué des points tout au long de cette saison. Pascal Wehrlein, un point, une dixième place qui avait valu très très cher. Au classement, évidemment, constructeur, c'est McLaren Honda qui s'impose. Ferrari, avec 124 points, confirme bien évidemment sa deuxième place. Voici les statistiques de ce deuxième moment important, donc cette deuxième saison, et vous le voyez, on repart à zéro pour 2018. Nouvelle réglementation, nouveau moteur, nouveau pilote. On vous donnera rendez-vous évidemment très vite avec le premier Grand Prix. Une saison qui comptera non plus 21 mais 15 Grands Prix. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour la fidélité que vous avez apportée à cette série F1 2017. Cette saison F1 2017, la série F1 2017 va continuer évidemment. On se donne rendez-vous chez Force India aux côtés d'Esteban Ocon. Merci, merci à tous. Laissez un petit pouce bleu et à la prochaine. Salut à tous, merci.